Moi, c'est Yann Loiseau. J'ai 50 ans, je suis breveté d'État premier degré option tennis de table. Et j'entraîne depuis une trentaine d'années à peu près. Je suis entraîneur professionnel depuis une trentaine d'années. On entraîne du petit débutant jusqu'aux joueurs et joueuses professionnelles. Et même chose, ça passe par les adultes loisirs, par les adultes compétiteurs. Donc c'est vraiment tout public. Il y a vraiment une très très grande diversité de public. Voilà, donc après il y a tout le suivi en compétition, que ce soit du niveau départemental, régional, national et voire également international. Oui, on a un junior garçon qui est membre de l'équipe junior garçon, donc qui chaque année participe au championnat d'Europe et au championnat du monde junior. Et on a une senior dame qui fait un petit break dans sa carrière et puis qui va reprendre sa carrière internationale en équipe de France. Voilà, nous le but c'est justement qu'on les fasse progressivement. Qu'on leur donne l'amour de ce sport et puis qu'on leur donne l'amour et l'envie de progresser et de s'entraîner plus. Voilà. Moi je suis dans le club depuis 2 ans déjà. J'ai commencé en troisième en classe sport. Ce que j'aime bien dans le ping-pong, c'est que on bouge beaucoup. Par rapport à ce que les gens puissent penser, on bouge vraiment beaucoup. Je fais du ping-pong depuis 5 ans maintenant. J'aimerais bien atteindre un bon niveau quand même. J'ai connu le ping-pong grâce à ma meilleure amie. C'est la fille de l'entraîneuse. Je m'appelle Léo, ça fait 5 ans que je fais du ping-pong. Avant, j'étais dans un autre club et je suis venue là. Okay. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Leillette. Je joue pour le club de l'Entente Saint-Pierrez tennis de table depuis 6 saisons maintenant. Donc, je fais partie de l'équipe 1 de Pro Dames. Donc on est actuellement en demi-finale du championnat qui auront lieu au mois d'avril. Et je suis titulaire de l'équipe de France depuis 14 ans. Je suis en équipe de France et j'ai participé aux Jeux de Tokyo cet été. Dans ce sport, j'aime l'esprit sportif, collectif, parce que souvent on joue en équipe, même si sur la table c'est individuel. Et puis dans ce club, j'aime aussi l'attention qu'on donne aux joueurs. Même s'il y a des joueuses pro, on donne aussi de l'attention aux petits joueurs comme nous. J'aime bien tout ce qui est rotation de la balle, tout ça, donc la tactique de jeu. Jouer avec les gens, ça me plaît vraiment, c'est vraiment bien. Et du coup, il y a du partage. Oui, je fais des compétitions, c'est souvent le samedi. Donc tout ce qui est critérium, championnat jeune. Et ouais, c'est vraiment bien, ça apprend à jouer à plusieurs styles de jeu en fait. Oui, je fais quelques compétitions, je vais en faire une samedi prochain. Souvent je joue dans une division moyenne, on va dire, pas très forte, mais bon, ça reflète mon niveau. Et c'est des divisions où on s'en fiche un peu de gagner. C'est surtout pour l'esprit collectif et même les adversaires en face, on les aime bien, c'est comme ça. Ouais, parce que des fois ils s'entraînent avec nous, donc on peut voir un peu comment ils jouent. Donc je trouve que c'est intéressant. Et des fois on peut même jouer un peu avec eux. Enfin, ils font quelques balles avec nous, du coup c'est bien. Oui, j'ai rencontré Stéphanie Leillette. J'ai déjà joué un peu avec elle pour l'entraîner et puis j'ai trouvé ça bien parce que malgré leur statut de joueuse pro, elles sont pas que entre elles, elles s'intéressent bien aussi à la vie des nouveaux joueurs. Oui, en fait, quand j'arrive toujours un peu, voilà, là je commence l'entraînement à 16h, j'arrive toujours un peu avant et si je peux échanger, que ce soit en discussion ou jouer avec les jeunes du club, c'est toujours un plaisir.